Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier concert du mois de mars. Ce jeudi de la harpe est consacré aujourd'hui à la harpe celtique et à un répertoire qui nous vient de Bretagne. Nous sommes heureux d'accueillir Tristan Le Govic. Welcome everyone to the Jeudi de la harpe recital tonight. It's about Brittany. The Celtic harp will be played tonight by Tristan Le Govic. Thank you.
Alors, j'ai commencé par un morceau composé par Gildas Beauvir, compositeur breton, et arrangé par Kristen Noguès, la harpiste Kristen Noguès. C'est une chanson, chanson d'amour qu'elle a traduite donc, en breton. Et une chanson d'amour pour une personne, un homme, une femme. Ça peut être aussi pour un enfant. Et c'est là toute ma transition avec le prochain morceau, puisque c'est un morceau que j'ai composé pour ma petite fille qui vient de naître il y a quelques mois, et qui s'appelle Lena. Le morceau s'appelle tout simplement Lena. C'est basé sur un thème traditionnel à la base, mais je le ferai en version longue, puis en version rythmée. Puis j'enchaînerai avec une troisième partie, une autre composition, un Laridenn Nevez. Thank you.
Des choses un peu plus traditionnelles avec une suite de thèmes de danse Kostarvat que j'ai arrangé. Thank you.
Alors la mélodie était une mélodie traditionnelle bretonne, très très connue en Bretagne, Enez Eusa, connue aussi sous le titre Eeti Edizisa. Et puis j'ai enchaîné avec un ton simple de Pline que j'ai composé et que j'ai nommé Pressed Fortunes. On va quitter la Bretagne, on va partir du côté de la Suède avec une Släng Polska, donc une des danses très populaires en Suède, une Släng Polska que j'ai arrangée pour harpe celtique. Thank you.
terminer, on va rester en Suède avec une Polska, donc qui est le binôme un petit peu de la slang Polska, parmi les thèmes scandinaves, les thèmes de danse scandinaves, une Polska que j'ai arrangée un petit peu de la manière un peu baroque, et j'ai utilisé pour ça la polsakaï, donc j'ai mélangé une polska et une passakaï en mixant les deux, faisant une polsakaï justement. Voilà, une polsakaï. Merci au harpe qui a jacqué pour ces concerts.